Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour Brisage PA sur Grelot de Barberil. On fait ça sur Imagiro avec un abonné. Voilà, j'imagine qu'on vise un RPR sympathique. Let's go. En espérant qu'on soit pas à court de repère R, mais on va dire que ça va le faire. Pas de difficulté majeure sur l'item. Item haut assez violent pour des modes agressifs en PVM. Très intéressant. Ok, ça saute tout de suite. On a 1, moins 1, plus 1, plus 95, 96 depuis. Pour la Vita, on va être un tout petit peu embêté. Il va nous falloir Ravi, ça va nous faire un over à 39 et ses triple pods. Ok, super, moins 40. Est-ce qu'on a une autre manière de le gérer? Si je fais un moins 13, on est à 26. Ah, je pense que ça va être triple pod, mais je demande confirmation. Il me dit oui. Ok, en espérant qu'on récupère un peu parce qu'on a déjà tabassé pas mal de puits là. Là ça, quand même, ça commence à être un peu la sauce quand même. On a perdu beaucoup, beaucoup pour pas grand chose. Est-ce qu'on go Pacha ou Racha? C'est la question aussi. C'est un item où on veut quand même du perf stat offensif, je pense. Hein. On joue ça pour le côté dégâts en général. Moi je pense que là c'est du spam Pacha. Mais là on est un peu dans la sauce pour le brisage hein, de toute façon. On va essayer de faire un truc au moins propre sur la voie offensive pour pouvoir être vendu et faire une petite bénéf potentielle. Ok, avec un peu de crit évidemment c'est tout de suite mieux. Ok, on a déjà un item qui est perf offensif là. On va mettre les repères évidemment. Moins 12. Ok, on récupère quelque chose d'acceptable. On est à 29. Bon, même c'est même presque pas mal du tout en fait. Ça va que c'est un item qui est pas très dur à faire. On a perdu beaucoup de pi pour la Vita, hein. C'était un peu bizarre. Il nous reste fuite, ini, pp, sagesse. Je vais demander au propriétaire dans quel ordre on priorise les 4 lignes restantes. Ah, on me dit que j'étais pas sur la bonne scène, effectivement, my bad. Merci beaucoup, Ireko. Bon, ça va, c'est pas comme si c'était la session FM la plus sensationnelle du siècle. Il me dit sagesse, pp, fuite. Très bien. Sagesse, 1, 2, moins 18. PP, 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 on a une, deux et trois. Et ça passe, moins 9. Bah écoutez, pour un truc qui partait pas très très bien, on est quand même assez proche de quelque chose d'acceptable. J'ai deux petites tantalini potentielles pour finir sur un malentendu. Fin du brisage. Bah écoutez, c'est quand même plus qu'acceptable. On s'est fait un peu troll lol sur deux trois trucs, mais globalement ça va. Peut-être même que je vais lui racheter. En vrai, j'en ai besoin de ce genre de jet. Bon, petit manguini de fuite, on survit à ça en général pour du PVM agressif. Voilà, donc brisage un petit peu léolé, qui partait pas très bien, mais un item pas hyper dur, et on finit avec quelque chose de tout à fait acceptable pour du gameplay gros dégâts PVM efficace farm drop. Et je pense que c'est dans cette optique que cet item va être joué. Voilà, j'espère que ce petit brisage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance, dommage au sort, sur un magnifique Mandrano, moins 1 d'initiative, j'ai parfait sur tout le reste. C'est pour aller sur mon Yopter PVM. Magnifique. Et ça fait un super bonus panneau avec le Bulbizou. C'est pour ça que c'est intéressant à jouer, y compris dans des stuff niveau 200.